Et salut à tous, c'est Klaars, et bienvenue au bord du bazar pour ce nouvel épisode de The Walking Dead Saints and Sinners, pour prendre notre revanche sur Garrick et sur la tour, qui nous avait bien ouvert le fion la dernière fois. Alors sans plus attendre, on va s'équiper. Alors normalement ils vont nous annoncer qu'il n'y aura pas de horde. Voilà. Heard on pause. Est-ce qu'il n'y a pas le petit fusil à canon scié? Les chasses. Non, ça c'est le grand. Ça c'est le fusil à verrou. Et le Nova, ouais. Ah! Si. On peut faire la version petite. Donc je vais m'en préparer. Deux. Allez. Avec ça, ça peut être rangé ici. Je vais en profiter. Je vais amener la tronceau pour le premier passage dans les égouts. Et on va amener... Bon, mais pas en très grande forme. On va amener un fusil Nova tout neuf. Oui, on a des balles. Je vais amener deux flingues supplémentaires. Je vais commencer avec le shérif parce qu'il n'y a pas de raison d'économiser un petit peu. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'économiser, j'ai 219 balles, mais je sais que la dernière fois j'étais très vite tombé aux alentours de 100 balles. Donc, munitions. Allez, il y a ma poudre à canon qui va chuter. Fait 347, j'en vais encore. Ouais, là je. L'excès de prudence ne me tuera pas. J'aurais peut-être pas le lance-grenade, mais j'aurai des munitions. Mais quoique, en parlant de lance-grenade, on trouve des grenades dans sa planque. Donc je vais aller récupérer le mien. Espérons qu'il puisse se. Bonjour. En espérant qu'il puisse se ranger dans le sac. Et ben non, forcément. Je vais enlever la carabine à levier. Je vais la ranger en haut. Sur le siège conducteur. Ce sera très bien. Si il veut bien la laisser passer, voilà. Maintenant, je pense à autre chose. On va vraiment partir bien équipé. Mais j'ai besoin de viser laser. Ce flingue, sur ce flingue. Celui-ci est déjà équipé, oui. Bon allez, là-dessus aussi. Pas de raison. Si, il y a une raison. C'est que ça doit être une des rares armes sur laquelle on peut pas le mettre. Toc, toc. Il en est équipé. Écoute, s'il veut bien, non. Tant pis. Je vais te poser là, tranquillement. Maintenant, je vais récupérer tout de même quelques grenades. Ici. Voilà! Parce que je devrais pas être trop mal cette fois. Ouf, des grenades, des couteaux, des bandages. Je vais me prendre des bandages supplémentaires. J'ai pas envie de me faire avoir. Je vais me prendre le neck plus ultra du bandage. On monte la santé totale de 25%. Voilà. Ça aussi. Tu viens avec moi. Je te mangerai rapidement. J'espère que cette fois je suis prêt. Diapampe, lance-grenade, la tronceau, un petit peu d'équipement plus standard, allez Garrick, on est là pour te faire la peau. Hmm.
Même si je sens bien que... c'est pas pour cette fois. Alors... toi, tu pues toujours. Attention. 1, 2, 3, souris. Non. Parce que s'il y en a pas qui sont apparus... avec ça, ça sera mieux. Bon, on connaît la route. On va pas se laisser emmerder. Personne ne viendra nous dire bonjour de toute façon. Et si personne ne vient nous dire bonjour... ça me va. Ça nous fera économiser des munitions, de l'endurance... et tout équipement. Encore ? Coucou. Oh. Ce coup-ci, il m'a vraiment foutu les boules. Je vais tout de suite manger le repas. Ok. Je me disais bien. J'ai entendu quelqu'un. Oups. C'est à en perdre la tête. Ah. Doucement les enfants, vous allez y avoir droit. Voilà, à la queue-leu-leu. Oh, un petit retardataire. Oh mais... le massacre à la tronçonneuse, c'était juste avant. Vous auriez pu venir. Allez, on s'en va. Allez. Ah, c'est pour ça que cette flaque était plus lumineuse que le reste. J'ai l'impression de voir un câble là-bas. Oh, attends, on va pas se mettre sur cette espèce de plateforme qui fait bugger les zombies. On va les attendre là. Allez, coupe. Oh, ça devient difficile. Tout va bien? Je sais, ça doit pas être comme ça qu'on utilise une tronçon, mais c'est comme ça que moi je l'utilise. Hop! Un petit morceau de cerveau en moins. Morceau de cerf quoi? Hé! T'es censé être ouverte, merci. Et étant donné que je vais mettre une demi-heure à récupérer tout ce matos... ah mais c'est vrai qu'il... ah, j'avais oublié qu'il y avait des grenades standard. Je lance patate. Comment on se sert de toi? Est-ce qu'il est armé? Ok, il est armé. Comment on le recharge par contre? Ah merde! Quoi? Ok. Ah, va falloir être précis pour l'utiliser, bordel de merde. Mais bon. Maintenant j'ai une vague idée de comment m'en servir.
C'était pas une femme qui toquait à la porte il y a pas si longtemps. Je suis à combien? 29 sur 36. Super. Et j'ai déjà consommé pas mal d'endurance. L'étage au-dessus et un ramen. Voilà. Oui, il y a encore tout ça. J'avais oublié. Ok, plus de place. Oui, bon, on va dire que je suis venu équipé. Hein. Je vais manger ça. Prendre ça. Bandage réparateur, bandage stérile. Voilà. Je vais récupérer le réparateur. Celui avec les lignes bleues, oui. Ok. Le loot de cette mission sera nul. Bon, on va pas trop s'emmerder. J'ai même pas compris ce que j'ai découpé. Ça s'utilise à une main. Attends, faut que j'essaye. Ouais, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Salut les enfants, est-ce que je peux continuer à courir? Ouf, c'est bon, sauvé. J'aurais bien laissé tomber une grenade si c'était agglutiné en bas. Là. Allez. Ok. On y arrive tout doucement. Et là, je vais en profiter pour manger. Voilà, parce que ça suffit même pas. C'est quoi ton kilo là? On va profiter pour prendre le flingue. Et je vais traverser. Joli lancé. You brought these gutless tower goons along with you? Non, pas du tout. But you, and your foul inhumanity use the sleep thoughts from this battle. Trouble warriors, wipe off. Ah, the depth of your power. Ah, là-haut. Astonishing. You can no longer hide the truth, tourist. Oui, ta gueule. Mama is clearly your master. Oui, Mama est clairement mon maître, hein. T'as vu à quel point je suis en train de me battre contre les gens de la tour. On va inverser les deux. Ah putain, c'est vrai que ça part pas loin, mais alors pas loin du tout. Mais arrête! Bon, comment ça s'utilise ce truc? Oh, mais c'est de la merde! Ça tue à peine une personne à la fois.
Aïe. Bon, finalement, ça je risque de pas en avoir trop besoin. Je vais me prendre un flingue en plus. Je vais me soigner. Avec un truc standard. Et on va y retourner. Oui, ça, je suis bien au courant que vous êtes plus nombreux que moi. Merci. Quoi, déjà vide ? Ou il est cassé ? Putain, il est déjà cassé. Bon. Tu sais quoi ? Je vais tout de suite prendre le suivant. Alors faut bien que je monte en un moment. Vraiment pas loin. Arrêtez de courir comme des débiles. Putain, déjà ? Ça me rappelle de mauvais souvenirs d'être ici. Merde. Heureusement, ils sont vraiment pas malins. Ah. De temps en temps, il y en a un qui a une bonne idée. Merde. Ok. Non, il y en a encore. C'est qui tire? C'est bon? Allez. Ah non, ça va.
me soigner. Alors, je me retrouve avec trois flingues dans un mauvais état. Je sorture ça. Ouais, voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Mais que j'ai un peu pas le temps. Maintenant, ça sert plus à rien. Ah, bilan de l'expérience. Le lance-grenade, il fait pas grand-chose. Ma lampe de poche, s'il te plaît. Elle est où? Merci. Oui, une fois ici, qu'est-ce que je fais? Ah! Alors, Dodge a fouetté. Poursuivre Garrick. Trouver Garrick. Bon, finalement, c'est peut-être pas encore fini? On va quand même récupérer le diable. Ah. Je m'étais déjà préparé à les attaquer. Top là. Oh. Finalement, il y a un peu de stuff. Tout petit peu. On est où? Je crois que je reconnais, mais je suis pas sûr à 100%. Bon, toi au moins t'es en pleine forme. T'es en bon état. Ouais. Hein? Donc ici, normalement, on est sur une map du premier chapitre. Mais ce passage que je suis en train d'emprunter m'est inconnu. Hop, donne-moi la grenade. Allez. Non. Bon, ça fait un châssis de fusil. Ça fait un châssis. Ça fait que je le suis complet. Ok. Ça, c'est cadeau. Plante médicinale, soigne toutes les maladies. Je suis pas malade. Enfin, pas complètement. Oui. Je tue une grenade. J'ai encore un soin. On va faire avec. Bon, fusil à pompe, j'ai déjà. Je vais un peu jouer avec ça. Obus pour lance-grenade. Bon, vu le nombre d'obus pour lance-grenade qui m'envoie. Je crains que ce ne soit le seul moyen d'affronter Gary. Garrick, pardon. Bon, alors je sais pas du tout où je mets les pieds. Les grenades que j'arrive pas à lancer à plus de 2 mètres. Je pense que je pourrais m'en passer. Putain. J'ai un peu l'impression d'être dans Ready or Not là.
À ceci près que je loot tout ce qui passe. Ça par contre, je vais en avoir besoin. Régénère l'endurance plus vite. Ouais, hop. Je sais pas ce qui m'attend. Ça me fait un peu peur, vu la difficulté qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Ah mince. Oh, il est en pleine forme, tu vois. Toc. Et celui que j'ai laissé tomber en début de chemin, je vais récupérer son chargeur. Ça fera toujours 12 balles de plus. En Uzi. Au cas où. Ça peut toujours sauver les miches. C'est lequel mon pistolet qui est dans le plus mauvais état? Ça doit être celui-là. Alors je récupère ces balles. Et je le remplace. Un petit mot? Or 17. Gary, if you're reading this, then the time has come. Things have fallen apart. Umbra and I are on the run. But you missed us, or we missed you. Or maybe you were never here and we'll never read this. Maybe Carmen was right. Maybe you took the walk. Maybe I am writing this to a ghost. Something inside me holds on to a vision of you, knee-deep in the swamp, stubbornly trudging back to me and Umbra. There is no home anymore. There is only us. The three of us against this fucked-up world. We cannot wait here for long. We are being hunted. We must move to survive. We will leave traces. You know where. Be relentless, my love. May. Je sens que ça va pas être facile. Et là, je vois qu'on peut passer par là-haut. Est-ce que cette porte... Non, ok. Ça veut dire pas le choix. Bon, merci de ne pas m'avoir déclenché le combat directement en passant, parce que c'est quand même assez aléatoire de traverser les fenêtres comme ça. J'imagine qu'on est dans sa planque. Dernier épisode de la série, et de loin le pire. Est-ce que c'est une référence à Game of Thrones? Allez, encore une grenade à échanger. Pour le reste, je pense pas qu'il y aurait grand chose d'intéressant. Allez, Garrick, entre toi et moi maintenant. It seems our moment has arrived. I must confess, I am disappointed in you. You struck me as a lone wolf, but you are nothing but a pawn. A tower lackey, if ever there was one. I know, because I used to be like you. My wife, too. Servants to the Tower of Lies. You probably don't even realize it. But you are. I have good news, though.
In moments, you will be free of the tyranny. I will sever you from the lies in death. You will finally know the truth. And after I'm through with you, the tower will face its own reckoning. Picture it, tourist, huh? Mama's precious beacon of corruption reduced to a pile of smoldering rubble and burnt flesh. The curse of the tower finally lifted. Les sous-titres sont à la ramasse complet. But that is for another day. This moment is our moment. All are guilty. Spare no one. Swift vengeance. Brutal justice. Infinite wrath. Violence brings peace. La chasse aux chasseurs. Vaincre Garrick. Bon, bah, il semblerait qu'on est quand même à l'affronter maintenant. Je peux pas le prendre à deux mains, histoire de le jeter. Je t'entends. C'est pouvoir le faire sauter le machin. Hop, cours! My wrath is righteous. Oui, oui, si tu le dis. Une idée. Oh putain, il y a du matos. Ouais, sauf que j'ai besoin d'un peu de temps. Et surtout que j'arrête, que je ne m'arrête pas de courir. Toi. Ah, merde. Parce que je sens que me retrouver collé à lui. Olé. Autant dire que tirer à une main, c'est pas la peine. Bon. J'avais pas trouvé une bombe ici. Bon, y'a certainement quelque chose à faire avec autre chose. Hop. Y'a quelque chose à voir quelque part. Ok. Ça, c'est pas suffisant pour le faire reculer. Ah,
no mercy. Oui. Purée, j'ai un Terminator au cul. Non. Si je peux reprendre, ça marche ? Merci. Ah ok, ça me fait revenir ici. D'accord. Ok. It seems our moment has arrived, tourist. I must confess, I am disappointed in you. You struck me as Est-ce que je peux réussir à lire ce que c'est ? Combiné avec des cartouches de super bombes et un détonateur pour fabriquer une super bombe. Combiné avec des cartouches de super bombes. Est-ce que c'est ça? Cartouches de super bombes. Ok. Ça, c'est détonateur. Comment ça s'utilise? Tu m'attends là? Oh merde, en plus il y avait le tuto juste ici. Tellement con. Ouais, c'est ça, allez viens. Salut, attends, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment ça marche, là. Poudre à canon, écrou... Ouais. D'accord. Gutless swine. Sacrément résistant. Death draws near, tourist. Ok, je vais me faire foutre. J'ai compris. Puis on peut rentrer là-dedans. Ça m'a l'air d'être un Death Wish. Alors. Je sais toujours pas comment utiliser ce machin. Donc on va dire comme ça. I must recover. I cannot fall. Aïe. Stand and fight me.
Désolé, j'ai pas une armure ultra lourde comme toi. T'es où? Ah, cours! Vite, vite, vite! Bon, attends, je vais remonter. Toi, dans la poche. Dans le sac, je veux dire. Ok, j'ai pu te fabriquer, toi, super. Maintenant, il me faut... Salut. Alors maintenant que t'es là... Bien, parfait. Est-ce que ça, ça permet de fabriquer... Oui. J'aime à quel point le jeu n'est pas buggé. Ok. Et je crois que le troisième était là-haut. Je sais plus où. Où est-ce que j'ai vu le troisième établi? Hop, cours! Non, c'est pas par là. Bon, déjà je peux. Non, j'aurais dû en fabriquer deux. Merde, il me faut d'abord la charge. Ah, salut. Donc il est là. Tu lances bien, tu sais. Par contre, si je suis censé lui envoyer la sauce pendant qu'il est à terre... Ok. Allez! Oh putain! Allez, approche! Je sais pas comment le déclencher ce machin en vrai. Comme ça, je suis sûr que ça marche. Fais ça, éclate-toi. Allez, viens maintenant. Ah. Allez, reviens. Maintenant que je pense à recharger. Plus vite. Bah oui, j'ai pas... T'es sérieux? Et j'ai fait tomber mon lance-grenade, évidemment.
too good for you. Voilà. Allez. T'es passé où? Ah. Toujours paumé. Je pense que je vais me soigner un petit peu. Si j'ai le temps. Ça? Ah, j'ai plus de bâton. Je pense que c'est les items d'ici qui sont comptabilisés. Laisse le temps de préparer une bombe. J'étais déjà là. Surtout que... j'ai un mal de chien à faire ce truc. Oh, t'es trop près. C'est trop près. Ok, vas-y, viens. C'est bon, là ? Allez ! Je peux recharger ? Non, j'ai pas le droit de recharger. Ah, merci. Bon. Qu'est-ce qui me manque pour lui? J'ai le détonateur. Aïe. Ah oui, tiens, ça me sera peut-être utile. C'est rechargé? Non. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai malléable. Hop, cours. À un moment, j'arriverai à faire quelque chose, mais... mec. Ok. Bon, je vais me soigner. Parce que le prochain coup comme ça, je pense que je suis HS. Si ça l'éclate, lui, de me courir après comme ça, moi ça m'éclate... Oh ! Moi ça m'éclate pas de courir comme ça en rond. Juste pour essayer... choper ce mec... choper les ingrédients... Bon. Il est où ?
J'ai pas tué ta putain de famille. I didn't kill your family. It doesn't matter now. I have been beaten by a gutless tower lackey. Je ne fais pas partie de la tour, et la tour va payer. The tower is gonna pay too. They're next on my list. Finish what you started, fool. Spare me more days in this wretched hell. Give me peace. Avec plaisir. My pleasure. T'auras pas le temps de souffrir. I'll make it quick. Relatively painless. Savage. Oh, je peux même pas récupérer ton arme. Ok. Ouh. Ça aurait été un affrontement particulièrement douloureux. Ouais, on va récupérer un petit peu de matos, y a pas de raison. Ah, je suis plein. Et de quoi je peux me débarrasser ? Grenade. Ça vaut bien plus. Le pied de biche, je m'en passerai. Et... Oh, tiens. Oh, tiens. Il y a des grenades qui étaient planquées un peu partout, j'ai l'impression. Alors, je sais pas par où exactement il veut qu'on sorte. Non. Spécial, clé de la remise. Laquelle ? Où qu'elle est ta remise ? C'est ça là-bas ? Non, par contre, il y a des grenades. Oh, bon, attends, il y a encore plein de matos ici. Je sais pas ce que j'étais censé faire pour... Je ne sais pas ce que j'étais censé faire avec un armement aussi léger contre lui. Oh. Hop, toi aussi tu dégages, tu te fais remplacer. Je dégage toutes mes grenades pour de l'équipement. Maintenant, je veux savoir où est cette fameuse remise. C'est ici ? Non. Non plus. C'est ici. C'est là. Ah ! Ouvrez. Bon et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me faire exploser à peine sorti. Il y a toute la tour qui m'attend dehors. Oui. Non. Je sors juste 2 mètres plus loin que tout à l'heure. La sortie la plus proche... La seule et unique sortie, j'ai même l'impression que c'est là-haut. Et ils sont gentils.
personne qui est là pour m'accueillir. Oh bah disons. Oh. Allez, juste pour le plaisir. Ah, ça va faire du bien ça. Je me sens mieux. Bien. Inutile de passer la nuit nulle part. On va retourner au Havre. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. Il y a du foutoir à trier. J'ai encore des flingues en bon état. Tiens, j'ai même pas fait gaffe. Ce bouquin, on va le garder. Et on est bon. Ah non, pas tout à fait. Kaboom, j'ai pas besoin de l'emmener. Kaboom. On va le poser là. Voilà. Je vais mettre un pistolet mitrailleur ici. Et le deuxième, ce sera cool. Ok, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Si, on peut peut-être check l'émission suivante. Le Bourbon et aller voir Sony. Ok. Rien de compliqué pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on a bien taffé. Garrick ne nous fera plus chier, même s'il nous l'a bien mise. Oh, ce fut laborieux, mais j'espère que ça vous aura malgré tout plu et que vous reviendrez dans le prochain épisode pour qu'on commence à s'occuper de la tour. Allez. Ciao, bye bye.